Tiens, voilà les enfants. Éteignez le feu que j'ai sur les doigts. Oh, ça brûle. Oh, ça brûle. Oh, aïe, aïe. Oh, moustique, j'ai tellement eu peur. Mais attends, c'est pour nous détendre l'incendie, vite. Oh, ouais, faut pas perdre de temps, hein. Allez, allez, t'as surpris, petit lapin, je viens te chercher. T'en fais pas, je vais te protéger, petit lapin. Eh ben, on a eu chapé balle, petit lapin. Oh, le beau petit lapin blanc. Je crois qu'il ne s'est pas encore remis de sa frayeur. Peut-être qu'il a faim. Attends, petit lapin, on va te trouver quelque chose à manger. On va lui donner de la belle herbe verte. Oh oui, oh, ça va. Qu'est-ce qu'il mangerait s'il n'y avait pas d'herbe, Fortos? Bah, il mourrait. L'herbe est indispensable pour les animaux comme lui. On pourrait peut-être l'habituer à manger la même chose que nous. Il n'y a que l'herbe qui fasse grandir les petits lapins. Et les lapins grandissent comme les arbres et les fleurs? Oui. Il deviendra peut-être comme Fortos. Ouais, comme moi, le petit lapin. Ce sera un gros petit lapin. Je pourrais manger dessus. Regardez! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il ne veut pas nous quitter. Pourquoi il retourne pas à sa maison? Moi, je crois qu'il est perdu. Et si on l'emmenait chez nous? Ah non, non, les grandes personnes, elles le mangeraient. On leur dira, faut pas que vous le mangiez. Ils vous écouteront pas. Petit lapin, je vais t'emmener au village et je te mettrai dans une cachette secrète où personne pourra te trouver. Et surtout, personne ne pourra te manger. Allons vite le mettre dans la cachette.
Oui, ouais. Dépêchons-nous. Oui, oui. Ça m'étonnerait fort que ça marche. Cachette secrète. D'accord. Ouais. Allez, poussez, mais poussez. Poussez. Il est tombé. Tiens. Là, tu ne risques rien, petit lapin. Oh, ne tremble pas comme ça, n'aie pas peur. S'il sort de sa cachette, les gens, ils mangeront. Culbuto a raison, si jamais il sort, il passera la casserole. Vous avez raison, on va lui fabriquer une cage avec des branches d'arbres. T'as besoin de celle-là aussi? Oui, oui, en les croisant, ce sera plus solide. Et voilà, maintenant on est sûr qu'il ne sortira pas. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Allez, au lit, Tintin. Avec Léonard, il n'y a pas beaucoup de viande cette année. Je suis fatiguée des pommes de terre, cela me donne une peau épouvantable. Je donnerais cher pour avoir un beau lapin bien tendre à manger. Tiens, petit lapin, je t'ai apporté une carotte. Personne ne te mangera, n'aie pas peur. Chercher, je te tiendrai. Et pourquoi moi? Ouais, ouais, toi, allez. Oh hey, Koum-Koum, on va te sortir en te tirant par les pieds. Ça va, moustique, ça va. Tu le tiens. Lapin, lapin, sur ton chemin, dit la prophétie. Lapin, oignon, lardon, conjure la bénédiction. Hors de mon chemin, garnement, ou la malédiction, ça battra sur vous. Je crois que cette pauvre escarbille va vraiment avoir de gros ennuis. Ouais, d'énormes ennuis. Ouais, tu viens que le gros ennuis, j'y arrive. J'en vois pour la fin. Oh, ce bruit de vent me jette les feuilles d'arbre au visage sans se soucier de ma peau de sable. Attention, monsieur le vent, je vais vous jeter un sort ou quelque chose de terrible va vous arriver. Viens, petit lapin, que je te fasse mijoter dans ma cheminée. Allez-y. Ah, tiens.
petit lapin. Il est sauvé. Voilà. Venez, mes amis. Apportez-moi mon dîner. Quelle malédiction ça va sur vous, petit misérable. Oh, reste ici, petit lapin. Tiens, mange ta carotte. Miam, 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 miam. Allez, mange. Moi, je crois qu'il préférerait jouer avec nous. Bonsoir, petit lapin. À demain. Voyons un peu, si d'après mes calculs, le soleil s'écrasera sur la Terre à la fin de la journée. Voilà la question. Eh voyons, à supposer qu'il le fasse, il faudra qu'il creuse une galerie dans le sol afin de pouvoir ressortir par un autre trou de l'autre côté de la Terre demain matin. Et ah ben voilà, Eureka! Eureka, il faut absolument que je consigne tout ça sur mes tablettes. Et les étoiles servent-elles à soutenir un rideau au-dessus de nos têtes? Hein? Elles font un assemblage qui ressemble à... oui, eh ben c'est ça, voilà. Voilà. Et comment se fait-il que certaines étoiles brillent plus que d'autres? Et lorsque ces trois-là scintillent, pourquoi fait-il si froid? Hein? Et pourquoi est-ce que mon nez me gratouille? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais... que je... éternuer? Koum-koum, où vas-tu à cette heure-ci avec cette botte de carottes? À qui as-tu l'intention de les donner? Réponds-moi. Je voulais les porter à mon petit lapin, papa. Quoi? Un petit lapin que nous avons mis dans une cachette secrète. Mais il faut en parler à personne. As! 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 Ces maudites étoiles, le faut éternuer. Il vaut mieux que je rentre au chaud chez moi, là, par le grand barbichu. Décidément, les étoiles, c'est à n'y rien comprendre. Oh là 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 là! Hop! Oh, oh, sur une heure qui m'a cassé ma carte du ciel. Ouais, j'ai dû sûrement le déranger dans une de ces sales besognes. Bah, le grand barbichu. Oh! Oh ben. Bah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un petit lapin blanc. Mais voilà ce qui faisait saliver cet affreux renard. Aïe 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 aïe. Ah! eh ben voilà, ça fera un beau ragoût pour mon dîner. Cléobule. Y a plus qu'à le cuire. Mais, hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est toi, bras de fer, je viens de trouver un lapin qui a été attaqué par un méchant renard. Il est mort? Oh, si je n'avais pas fait fuir cette sale bête, y a belle lurette qui l'aurait emporté dans son terrier. Et ce petit lapin appartient à Koum-koum, Cléobule, et je sais qu'il ne veut pas qu'on lui prenne. Mais dis pas de sottises, le lapin est mort, il ne peut plus servir qu'à faire un bon ragoût. Il faut que Koum-koum le découvre tout seul, et peut-être qu'après, il te le donnera. Enfin, Koum-koum aura beaucoup de peine. Merci, Cléobule. J'ai trouvé des poils. Pauvre lapin. Comment le consoler? Je tuerai le renard et je te vengerai, petit lapin. Écoute, Koum-koum, même si tu tues le renard, cela ne te rendra pas ton petit lapin. Il l'a tué. Ton
Ton lapin était une proie idéale pour le renard. Je tuerai ce méchant renard. Tu n'as pas pensé que tu étais peut-être un peu responsable de la mort de ce pauvre animal? S'il n'avait pas été enfermé dans une cage, il aurait pu échapper au renard. En construisant une cage pour le protéger, tu lui as construit un piège. Les animaux sont faits pour être libres, c'est la loi de la nature. On ira l'enterrer au pied d'un arbre. T'es sûr que quand on est mort, on peut pas ressusciter? C'est impossible, mon fils. Ton lapin ne peut pas ressusciter, mais il vivra éternellement dans ton cœur. Et tu crois qu'il vivra ailleurs? Peut-être, oui, au paradis des lapins. Koum-koum, où ils vont les lapins une fois qu'ils sont morts? Je ne sais pas, Culbuto. Dans un pays merveilleux. Je crois que c'est par là. Oui, Koum-koum. On peut pas voir l'arbre avant d'arriver tout en haut. Eh oui, c'est pas facile de monter jusque-là. Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Ah, voilà. L'arbre du ciel. Là-haut, les renards t'embêteront pas, petit lapin. C'est beau. Oh, ouais. Oh, regarde comme le village est petit, on dirait un confetti. Ici, petit lapin, tu verras les champs où tu faisais des cabrioles. C'est là qu'on va faire sa tombe. Pour aller vivre au paradis des lapins. Oh, il commence à faire nuit et puis j'ai très froid. Allez, rentrons à la maison, vous venez? Ouais, le vent se lève. Attends-moi. Ah, dépêche-toi, Lilibelle. Laissons Koum-koum et son petit lapin. Oh!
Koum Koum, qu'est-ce que tu regardes? Le petit lapin est parti vivre sur la lune, papa. Ah oui? T'avais raison. Il s'en est allé au paradis des lapins. Je l'ai vu. Oui, et de là-haut, il pense à toi et il te regarde tous les soirs. C'est vrai. Qu'est-ce que vous regardez, le nez en l'air? Vous ne venez pas vous coucher? Nous regardons un lapin qui est sur la lune. Allons donc, s'il y avait des lapins sur la lune, ça se saurait. N'en veux pas à ta maman, elle ne peut pas comprendre. Mais non, papa. Bonsoir, petit lapin. でも、ふるふるはローマンが好きだし、さあどうなるか。次回ゴロンが作った首飾り、どうぞお楽しみに。